Bonsoir, ce soir j'aimerais vous parler de mysticisme en rapport avec les cristaux, parce que moi les cristaux, les pierres m'ont amené à m'intéresser au mysticisme. Je vais vous parler d'une pierre que j'aime beaucoup, qui est pas mentionnée sur YouTube. Les gens sont comme pas nécessairement super gros enthousiastes de cette pierre-là. J'ai nommé la turquénite. Ok. Le truc avec la turquénite, c'est que c'est une pierre qui est colorée artificiellement. C'est ou une aurolite ou une magnésite. Magnésite, c'est ça aussi. Okay, fait que ça se peut que dans la turquénite, ça soit ça, mais coloré. Okay. Là, il y a du monde qui se disent, ouais, mais fait que dans le fond, une turquénite, c'est une fausse turquoise, mettons pas. Oui, c'en est une. Mais j'ai appris de quoi avec les cristaux, c'est que même si c'est pas nécessairement c'est une pierre qui est comme peinte, puis on travaille avec des couleurs quand on travaille avec les cristaux, puis on travaille avec les chakras. Comme, la couleur bleue, c'est une pierre, mettons, de communication. C'est une couleur de communication. Puis c'est une bonne pierre pour la méditation. La turquénite, moi je l'associe à une pratique, un savoir ésotérique qui est le Tengri. Tengri. Le Tengri, c'est une pratique pré-islam des populations turques. Comment ils s'y prennent? Bon, d'abord, ils travaillent leur turquoise ou leur turquénite. Puis, ils travaillent leurs instruments de musique. Comme j'ai vu des séances, ils jouaient de la guimbarde. Vous voyez le genre un peu. Et pendant que vous jouez, vous faites un exercice de visualisation. Vous imaginez que la couleur bleue ou la couleur bleu-vert vous envahit, se propage dans votre corps. Comme une boule de lumière qui grossit, qui grossit. Un autre instrument qui est comme bon à jouer avec la guimbarde, c'est j'ai un blanc de mémoire, qui okay, ça reste stupide, je fais une vidéo, là, mais c'est une tambourine. Tambourine. Vous commencez avec ça, puis après vous faites un beat relativement simple pendant 5 à 10 minutes. Pour la guimbarde, à peu près comme 5 minutes, ça peut faire. Puis vous avez ça dans votre poche. Ça peut être intéressant. Et vous allez voir la turquénite, même si c'est une pierre qui est colorée artificiellement,
avait quelque chose à donner. Moi, j'irais à dire que pour moi, c'est plus qu'une magnésite ou une halite. C'est assez cuisant. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Renseignez-vous sur le tengri si ça vous intéresse. Tengri, ça veut dire le bleu du ciel. Donc la turquoise est comme bleutée, sont ben, ceux-là que j'ai sont plus comme vertes, mais parce que c'est comme l'association vient de là. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon vidéo. Je suis pas un expert dans la matière. C'est un sujet qui m'intéresse. J'espère que vous avez apprécié. Excusez-moi.